Thank you.
Les gens vont aller.
Bon, je salue nous, messieurs. Je suis content que nous accompagnions nous là aujourd'hui. Comme nous t'avons déjà, donc, ministre intérieur, moi-même, nous faisons déjà aujourd'hui à la commune Miragouane. Dans le moment où nous parlons là, nous faisons des blancs dans l'hôpital Saint-Boniface. Donc, nous sommes venus visiter pour nous voir comment nous avons vivre. Et en même temps, nous avons profité de sensibiliser les habitants dans la zone pour nous apprendre et faire connaître que mesures barrières sont importantes pour respecter, à savoir dans laver mains, dans porter masque pour éviter que les victimes de coronavirus, nous connaissons qu'ils sont pandémie qui a ravagé mon temps. Donc c'est justement ça qui cause que nous avons fait des blancs aujourd'hui là. Et des conseils avec le ministre intérieur. Qu'est-ce que ça nous fait, le département NIP, spécialement dans Miragouane, dans notre section communale? Bon, constat, nous voyons qu'il y a une volonté pour les gens porter masque, il y a un maximum de gens qui sensibilisent des situations. Hein. Donc, nous réjouissons de ce que nous voyons que les gens sont sensibilisés. Et ça, après le banon, et moins de cas, nous avons moins de victimes dans la population. Est-ce que nous décidons masque? Est-ce qu'on a s'attirer? Mais certainement, certainement. Chaque mission que nous faisons, comme nous. Nous avons constaté ça. Et dimanche dernier, nous étions Tomazo. Aujourd'hui, nous sommes dans le département NIP, nous faisons des blancs. C'est toujours même bas là. C'est distribution de masques, c'est message de sensibilisation que nous portons par la population pour sensibiliser autour des coronavirus. Et puis, en sorte que pour eux-mêmes, pour ne pas être victimes des maladies. La prochaine étape, c'est la prochaine étape, c'est probablement l'autre département que nous avons pour nous faire le week-end prochain. Donc c'est exactement, c'est rôle nous, c'est mission nous, et c'est ça qu'on a fait depuis mois mars jusqu'à aujourd'hui. Depuis un bout de temps, il y a un débat dans la vie nationale, spécialement concernant le mandat chef d'État haïtien Jovenel Moïse, ou c'est membre du gouvernement. Quelle réaction nous de débat ça qu'a fait dans la rue? Bon, en réalité, nous connaissons bien que la société haïtienne, souvent, elle distrait la population, hein? Souvent, elle fait sensation à une série de questions pour boycotter question véritable. Mais nous autres, nous en pleine pandémie, nous avons sensibilisé la population, nous avons encouragé les gens pour porter des masques, pour ne pas être victimes de coronavirus. Nous ne pensons pas que c'est le moment pour que la question soit agitée. Mais toutefois, nous connaissons que la constitution est claire sous débat ça. Donc, le président a un mandat pour 5 ans et il a fait un mandat. Donc, nous comprenons bien la question ça est tournée à chaque moment. Et il y a une raison pour ça. C'est parce que nous n'avons jamais accepté poser vrai problème. Aujourd'hui, je pense que leader politique, je pense que l'élite pays a tardé à réfléchir. Comment on a fait pour nous sortir du pays dans la situation liée là aujourd'hui? Parce que moi-même, je constate que si pas rien que fait, même avec nous, pour le pays, je pense que Haïti a tout dans le land. Parce que dans le pays, chaque secteur d'activité est propriétaire. Tout le monde. Je suis bien content, moi, c'est des temps que le président prend des dispositions qui sont extrêmement intéressantes. Ou pas qu'un pays côté ou une élite économique prédatrice, il n'y a pas rien qui est intéressé sinon que profit. Donc, le pays a effondré, personne ne parle. Alors, ce qui est plus important pour un peu le monde, c'est le mandat président que la Constitution a parlé sous lui déjà. Non, de date, qui date, non? Ah, ben, président, tu prêtes serment, même bien que vous connaissez la même, 7 février 2017. Donc, on a d'accord avec 7 février 2021, pas fait 5 ans.
Donc c'est 7 février 2022 qu'a fait président exactement 5 ans constitutionnel que constitution amendée. Non mais c'est Isaac, et télévision. Y a-t-il déjà? Ok. Non, on va pas laver, mon cher bon petit stand, mon petit stand.
et une route qui desservit tout le département. Parce que, c'est-à-dire, les mener dans l'hôpital Saint-Boniface, Pont des Blancs, Savanne-Henri, des sources La Brousse, Côte de Fer, Bénin et même Jacmel. Donc, nous avons une intervention à faire là, telle que nous commençons avec le caveau Caniveau Sahara. Et puis nous avons une canalisation que nous avons commencé à continuer. Après ça, pour nous faire béton, nous rentrer là. Et puis nous avons des travaux d'ouverture que nous avons fait sur route Fond des Blancs. Et nous faisons des travaux d'ouverture ça déjà sur toute zone Savanne-Henri, des sources, La Brousse. Donc, belle rivière. Après ça, nous pouvons faire partie qui mène sur Fond des Blancs. Donc, semaine prochaine, nous pourrons faire intervention sur l'île là. Pour être capable d'ouvrir et puis faire travaux de rechargement là-dedans tout. Donc, travaux de bétonnage dans le café Monsignac-là, nous avons déjà commencé avec lui, comme nous déjà là. Côté que le cadre est déjà compris là, demain matin, si je vais, nous avons commencé avec couler et puis béton. Depuis que nous avons démarré avec travail ça? Donc, nous avons démarré avec travail ça depuis mardi passé pour nous faire remplir, nous préparer le terrassement. Donc, qu'on y a, c'est travaux de bétonnage. Travail à réaliser sur combien de longueur? Alors, travail ça, l'a réalisé sur 350 à 400 mètres linéaires. En fonction de ça, que nous avons déjà gagné là. Mais par contre, comment le gouvernement a continué avec le reste de travail. Vous avez déjà fait pour asphalte ou de béton? Bon, après, on partit là, sur 300 mètres linéaires. 350 à 400 mètres linéaires, c'est béton à fait sous. C'est ça qui est déjà démis pour les gens. Tigui, je dis à la ministre intérieure qui a accompagné le secrétaire de la population, à qui sentiment nous accueillons le ministre dans le département de Jodia. Je salue toute l'équipe qui est là, je salue la présence du ministre intérieur, je salue la présence du secrétaire d'État, et je salue les travaux publics qui sont là, tout. Et je salue le président de la République, là, et spécialement le président. Non? Je dis à travailler ça, pour moi, je ne sais pas comment je vais embrasser. Parce que moi, après, je fait la troisième section Savanne-Henri. Là, pour me venir ici, c'était sous bourrique. Sous bourrique pour me prendre bourrique pour me déposer mon meilleur là, Katoto. Et puis, après ça, pour me dire à Port-au-Prince, pour m'acheter café là avec Kassab pour me tourner et Savanne-Henri. Je dis avec le gouvernement et Jovenel là, je dis là, je dis que mon siac à la caméra dans 30 minutes. Nous avons commencé à faire un peu de béton, accompagné avec le directeur de la République et Niplan. Et bravo encore pour le ministre intérieur pour la première fois que je me rencontre. Et je suis mal à la Kaili. Côté que je dis, ministre, mais tel travail m'a fait la Kaili. Et qui coûte mon cabane moi? Ministre de Zimgui, depuis ce travail gouvernement, m'a accompagné. Le ministre de Santé, gaz. Et qui côté nous beaucoup? Nous avons une route de 11 km de route et le ministre avec le premier dame, avec le président de la République qui accompagne. Et fiche gaz à eux, chaque fois, il y a bon moins. Le ministre a mon corps, il y a une fiche. Et bravo encore pour le directeur de la République encore, qui toujours accompagne. Je dis à ma qu'on a qui courage, à cœur, et pour me recevoir le ministre intérieur à la caille. Ministre, les bagages sont pas facile, il est difficile tout. Pour un ministre intérieur qui croit en baraque, parce que c'est paysan nous. Donc nous sortis dans la délégation, accompagnés du commissaire gouvernement, à toute l'équipe militaire, vice-délégué. Monsieur, m'apprécie ça en ville. Donc je commence béton la semaine qui vient là. Je pense que l'autre semaine, nous allons commencer le tracement pour ça, pour entrer Fond des Blancs. Donc, ministre, chapeau bas pour vous, chapeau bas. Pour le président, chapeau bas pour le secrétaire d'État, chapeau bas pour toute équipe qui fait déplacement sur Port-au-Prince. Je remercie nous en pile, que bon Dieu bénisse nous, parce que nous connaissons vie pas facile. Bon slogan qui dit, nous faisons plus de temps mourir que vivre, même si souhaité que bon Dieu accompagne nous. Et là, vous avez le monde qui vivre là? Ah bon, Mati. Je dis, avec l'équipe ça, nous sommes chouchous pour le pays. Avec l'équipe ça, parce que là, quand je dis à Mbappé Bomati, très bientôt, je vais m'inviter nous tous, et ça avant d'arriver. Et côté, je vais qu'on a l'école Boukamou en Cadano. On l'aime à l'école, et puis quand je suis chez mes soins, je passe à CC, je coude l'école quand même. Mais je dis à Mbappé Bomati, il
gen pile diaspora qui commence relèm qui applaudit tout qui remercie gouvernement Jovenel là et premier dame nan chapeau babo ministre bravo pour vous merci c'était Guy Polinis chargé de mission Palais national merci beaucoup nous on sait tout c'est Guy Polinis merci beaucoup.